Yo yo et Zets, comment vous allez les gars? On est là! Ça va super et toi? Bah moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 d'une série que les abonnés adorent. On va faire un cache-cache inversé. C'est-à-dire que tous les 3 on va partir se cacher dans toute la map. Et après il y aura plein d'abonnés qui vont devoir nous chercher et nous trouver. Les deux derniers épisodes c'est Zetfar qui l'a emporté. Aujourd'hui yo yo, il faut que ça change. Oh, aujourd'hui ça va changer. Nickel. Au niveau du stuff, on aura le droit de prendre des failles de poche, des répulsives et des boogies. Ça pourra vous servir à esquiver des abonnés à la fin. Et puis bah vous vous cachez où vous voulez. Votre but c'est juste de survivre le plus longtemps possible, ok? Vas-y, ça marche. Il y aura 2 games. À la fin, on accumulera les scores pour savoir qui l'emporte. C'est parti. Ok, c'est parti pour la première game. Cette fois, c'est mort. C'est pas Zetfar qui va gagner. Ça va être moi. Ouais. Oh, c'est trop marrant. Bon, la dernière fois, c'était moi le loser. Aujourd'hui, faut que je me rattrape. Mais le truc, c'est que je suis trop nul en cachette. Du coup, ça y est, on est parti pour cette première manche. Il faut impérativement que je gagne. J'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix. Qui va drop en premier entre moi, Yo-Yo et Zets? Moi, je vous le dis, c'est mort. Les abonnés, sinon, ils vont voir où je vais. J'ai aucune idée d'où je vais me cacher. Si, je sais en fait, c'est bon. Ouh, cette faréoise qui saute, ils sont pas bêtes. Ils se sont fondus dans la masse. Moi, ma strat, ça va être de me cacher près d'eux parce qu'ils vont penser que je vais à l'opposé alors que pas du tout. J'ai l'impression qu'ils vont au même endroit que les abonnés. C'était la strat que je voulais faire, mais en vrai, je pense que c'est trop risqué quand même. Moi, je pense que je vais vraiment aller le plus loin possible des abonnés puisque je me dis que s'ils veulent me trouver, il va falloir qu'ils traversent toute la map. Pour info, ils vont tous se regrouper là-bas avant de partir. Moi, je vais aller bien loin, je vais être tranquille, personne va m'embêter. Et je pense que si je me cache dans un endroit pas trop compliqué, j'ai des chances de m'en sortir. Parce que comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Ah ouais, mais c'est vrai, je suis con, j'ai pas réfléchi. Il faut aller dans les zones après. Moi, je vais me mettre dans cet arbre. Je vais être trop bien. C'est bon, je vais tous les voir passer en dessous de moi. Par contre, si je suis grillé, je suis mort, c'est sûr. Je pense que je vais aller dans le labyrinthe. On est en mode zéro construction. Ils vont peut-être pas penser à venir chercher ici. Au début, vous savez quoi? Je vais looter la bamboche et après, je vais me cacher sur la tête du nounours. Vu qu'en plus, je suis loin d'eux, on a le droit aux répulsives, aux failles de poche et aux boogie woogie. Donc, il faut que je trouve tout ça le plus vite possible. Parfait, des répulsives. Oh là là, c'est nickel. En plus, ici, il y a un petit carré là. C'est bien caché. Hop là, mais c'est une régalade cette cachette. Ah ouais, par contre, je peux vraiment prendre aucune info. Hein. Oh, à deux doigts de mourir déjà. Faut vite que je trouve des choses, allez, 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 allez. Zetfar, lui, il est parti à la bamboche. Yo-Yo, il est tout en haut de la map, ils sont en hors zone tous les deux. Moi, ça va pour l'instant, je dois pas bouger. Je pense que je vais commencer à contourner en vrai. Ça sert à rien que je reste là, je vais perdre du temps. Regardez tous les abonnés qui arrivent. Y'a moyen qu'ils voient mon gros crâne. Oh non. Salut les gars, je vous vois mais vous me voyez pas. Parfait, des répus, m'en faut plus. En vrai, là, c'est différent des autres fois. Y'a très peu de déplacements et je suis tellement bête que j'ai pas pensé à loot. En plus, il y avait des gros coffres sur la route. Oh, c'est pas grave, non, j'ai pas le temps de faire demi-tour. Mais c'est vrai que trouver des petites répus et des boogies, je dirais pas non. Allez, donne des répus. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si c'était rien passé. Parce que, en vrai, il s'est rien passé. Oh, ils sont en dessous de moi, je les entends. Oh là là. C'est bon, ils m'ont pas vu. Regardez, ils montent là. Parfait. Comment ça se fait, y'a personne là? Mon plan marche à merveille. Alors, est-ce que la zone est encore loin? Oui. Zetfar, lui, il a toujours pas bougé. En fait, faut surtout que je meure pas avant que la première zone se referme. Parce que je vais perdre trop de points. Je vais looter un peu ici en espérant trouver des répus. Dans un coffre, mais je sais pas où il est. Il est là. Allez, donne des répus. Et merci, lui c'est vraiment un frère. Regardez, il passe encore juste là. En vrai, je suis un génie. Yo-Yo, il a l'air de vouloir commencer à avancer. Zetfar, lui, rien à foutre. Allez, j'ai encore un peu de temps pour trouver d'autres choses. De toute façon, la proba pour qu'il y ait un abonné qui vienne ici, c'est impossible. Je vais faire une petite pause dans ce bush. Je vais observer devant moi. Est-ce qu'il y a des abonnés au loin? J'en vois pas, c'est nickel. Allez, du coup, je me tire. Au moins, j'ai deux répus. Si jamais je me fais trouver, ça va m'aider. Ah ben, je parle de ça et j'en trouve des de plus. La zone, elle est à tilted. En fait, faut que je parte maintenant, sinon je suis mort. En plus, on n'a pas le gros véhicule. Et je suis cuit. Bon, Waz, par contre, t'avais dit que pour aller dans nos cachettes, on pouvait prendre le flux d'air. De toute manière, j'ai pas le choix pour sortir d'ici. C'est le flux d'air ou rien. Donc je vais juste prendre le tunnel, mais je vais pas aller dans les flux d'air. Moi, oh, j'ai cru qu'il y avait un abonné. Oh, en plus j'ai pas le droit de me soigner, donc il faut que je parte maintenant. Vite, 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 vite. Eh bien là c'est que je suis dans un champ de bush. Oh non, il y a des abonnés. Je me tire, je vais courir mais dans le sens du coup. Il m'a pas vu, c'est bon, je peux me barrer. Ah, c'est vrai, c'est un champ de bush, c'est le premier truc qu'ils ont pensé à regarder. Ça paraît logique en soi. J'aime bien. Oh, il m'a fait trop peur le loup, mais c'est trop. En plus il crie, préviens tout le monde que je suis là. Hop, en vrai je vais pas trop tricher, je vais piquer direct comme ça. Voilà. Comme ça je vais quand même à pied. Je vais aller full sud. Je vais aller côté Synapse Station, j'ai pas le choix. Eh sinon monteur là, moi je m'ennuie, j'ai envie de t'embêter un petit peu aussi. Ça te dit tu refais un petit test comme t'avais fait à l'époque? Mais oui, tu te souviens, j'en suis sûr. Genre là, par exemple, maintenant, tu vas mettre l'écran en noir et blanc. Et puis, par exemple, je sais pas, tu vas flouter la map. Maintenant, tu vas zoomer sur ma barre de vie. Tu vas écrire mon Instagram, WazTH. Et tu vas mettre un screen du Space 12. Aucun rapport. C'est bon, tu peux revenir à l'original. J'espère que t'as aimé. Tu vois comment mes sourcils, ils sont froncés? C'est le visage de la haine. Ah oui, mais il y a la zone, je suis trop bête. Oh là là, mais elle va vite en plus. Il va falloir que j'utilise une répu. Je vais pas avoir le choix, je crois. Donc, pour l'instant, j'utilise pas ma répu, ça se passe bien. Allez, viens par là, toi. Je vais mettre un petit coup de pioche pour le plaisir du fun. Voilà. Toi, tu fais le vaillant, toi. Allez, je me tire. Je vais aller looter une partie de Tilted. Il me faut des... En fait, j'ai déjà 8 répulsives de boogie. Mais c'est pas assez. J'ai même pas de failles de poche. Les failles de poche, c'est le truc qu'il faut avoir pour survivre. Regardez, ils doivent rentrer en zone. Ils vont galérer. Ok, il y a des boogies ici. Il me les faut.
C'était pas des boogies. Je me suis arrêté ici pour rien. Bon, c'est pas grave. Tant que je dépasse pas les 80 de vie, j'ai pas besoin d'utiliser de répu du coup. La zone vient d'apparaître. Je vais y aller directement parce que sinon je sens que Yo-Yo et Zedfar vont me causer des problèmes. Ça va, pour l'instant personne m'a vu, c'est nickel. Ok, faut que j'aille full sud côté circuit Shunker. Je vais longer la zone, j'ai pas le choix. Pour l'instant je suis bien. Zedfar il est où? Ah oui, il est sur le bord de la zone. Après je dis ça, je fais exactement pareil. Was lui. Oh, je sais, j'ai une stratégie. Vu qu'il est pas loin de moi, je vais passer derrière lui comme ça. Parce qu'au moins je suis sûr qu'il y aura pas d'abonnés sur ce trajet là. Vu que c'est le trajet qu'il va emprunter. À part si des abonnés le suivent, évidemment. D'ailleurs, le système de score a changé contrairement aux deux premiers épisodes. Maintenant, chaque minute de survie équivaut à un point. C'est-à-dire, imaginons, je survis 17 minutes, et eh bien j'ai 17 points. Si Yo-Yo survit 22 minutes, il a 22 points. Et c'est à la fin de toutes les games qu'on comptera tout. Et comme ça, bah, on connaîtra le podium. Ah, mais regardez, à cause de la tempête, j'avais pas vu. Yo-Yo et Z, ils sont perdus de la vie. Chah. Ah, y en a un qui m'a vu. Bon, du coup, j'ai un abonné qui me court, mais pour l'instant, si c'est qu'un seul, ça va, j'ai envie de dire qu'un seul, mais y en a un autre là. Parce que s'il voit son pote me courir dessus, il va venir. Ah, il est gentil. Non, il est pas gentil, il est pas gentil. Je pensais que c'était un gentil, dommage. Bon, bah, j'en ai deux à mes fesses du coup. Tant que j'en ai deux derrière moi, ça va. Si j'en ai plus de 10, par contre, ça va commencer à être chaud. Il est passé sur le bord de la plage et tout, je vais faire pareil. Le truc, faudrait que j'arrive à remonter là-haut. C'est parti, c'est maintenant, c'est le saut. Punaise, ça se voit que je suis pas fait pour les death runs. Je vous explique l'idée que j'ai en tête, c'est d'aller dans la mer. Comme ça, bah là-bas, les abonnés me verront pas de loin. Oh, une faille, nickel, ça en a le droit. Ah, il y en a un troisième là. Voilà, je commence à en avoir trois aux fesses, ça va commencer à devenir de plus en plus chaud. Putain, ils me collent aux fesses. Eh, ils veulent pas me lâcher un peu. En plus, il y a des mecs en face. Attendez, je vais essayer de les bait, vous êtes prêts? Regardez. Hop, là j'ouvre le coffre. Parfait. Watch! Je vais aller sur Waz, il est dans la mer. Alors là, mon gars Waz, t'as ma parole que je viens sur toi. Mais attendez, mais je suis trop bête, il y a la zone. J'ai qu'un truc à regarder, c'est ça et je le fais pas. C'est ça qui est relou en mode zéro construit. C'est que pour monter les petits bords de montagne et tout, il faut être attentif. Hop, regardez, je vais me cacher là-dedans. Et ici, personne peut me voir. Je suis un génie. Bref, en attendant, montre-nous, Zedfar. Ils sont combien là? Je crois qu'ils sont 5 ou 6. Ça va encore, mais le problème, c'est que j'ai. En fait, c'était worse parce que j'ai pris moins 10 HP de vie blanche pour 2 répulsifs. Donc franchement, ça se prend. Faut que je la prenne. L'abonné, il arrive en plus. Hop là, nickel. Bon. Là du coup je crois que je suis repéré. Donc le mieux à faire ça va être d'aller vers Waz. Ah pas du tout en fait, il y a des abonnés là-bas. Pas le mieux à faire je crois. Je vais plutôt me mettre dans ce petit bush là-bas. Ouh là là, regardez-les ils ont l'air de chercher une proie. Mais ce sera pas moi. Attendez, c'est un abonné ça. Allez, petite répu, je me tire. Oh là là, Zedfar il est avec des abonnés aussi. Oh, il y a un abonné juste là. Heureusement il est pas venu jusqu'ici. Oh si, il m'a vu. Oh non. Oh oh. Non mais comment c'est possible? Je faille. Il m'a raté. Ah, il m'a pas raté celui-là par contre. Ah, par contre, faut pas que je fasse l'erreur d'aller dans l'eau, après je pourrais plus bouger. Ah, mais au truc là, il y a des failles, je crois. Dites-moi qu'il y en a encore, pitié. Oui, il y en a encore. Et il y a des répulsifs surtout, let's go. Nice. Ah, voilà, ça c'était une répulsive utile. Maintenant, tout le monde est sur Yo-Yo s'il a pas de répu. Faut que je prenne la faille. J'ai raté la faille. Allez, allez, Yo-Yo. Allez, tu peux le faire. Oh non, pas ça. Non, elle s'est fermée sur moi. C'est une blague. Mais je suis vraiment un gros nul. Je suis en train de claquer toutes mes répus. Il y a des boogies ici, il me les faut. Nickel. J'ai deux boogies. Comme ça, si je vois des abonnés courir après Waz ou Zedfar, j'ai juste à jeter des boogies. Et ils pourront rien faire. Oh non. Il m'a surpris lui, je m'y attendais pas. Allez, faut que j'aille me cacher là. Là j'ai plus de stuff, regardez, ils courent tous sur Yo-Yo. Je vais aller sur une montagne. Genre ici, là je prends la tyrolienne. Non, ils m'ont vu. J'ai tenté le brain. Et Zedfar, il me ramène du monde en plus. Ah. C'est bon, il y a Yo-Yo qui se fait courser par tout le monde. C'est exactement ce qu'il fallait. Moi, de mon côté, je vais aller me cacher petit shrink. Petit shrink ouest. Il y aura pas grand monde, je pense, par là-bas. Je vais mettre ici. Voilà. C'est bien, voici, il se fait courser par tout le monde. Il descend. Et là, il y a plus personne sur moi. Oh, comment j'ai été smart sur ce coup-là. Oh non, je suis pris en sandwich. Arrêtez, j'ai presque plus de shield. Je suis officiellement crack. J'ai quand même le plus d'HP entre tous les trois. Faut que ça me motive. Je vais aller au nord, sur la rive ici là, c'est en zone. Ah, y'a Waz qui prend des dégâts, c'est bien, il s'est fait broke, c'est exactement ce qu'il faut. Moi, grâce à mon QI de 872, en plus Zedfar 300 IQ, c'est noté dans le pseudo. Je vais réussir à survivre par rapport à eux. Allez, je vais devoir répu, j'ai pas le choix. Hop là, y'a Waz juste ici. Regardez, je vais le boogie. Je le boogie, il est où? Là-bas. Je l'ai raté. Genre là, y'a Yo. Salut, je te ramène du monde. Je reboogie. Il a raté ses boogies. J'ai raté. Oh non, je suis trop nul. J'ai plus de boogies. Je suis grave dans la sauce. Bon, lui, il a pas vu que j'étais là. Oh non, je suis en train de m'enfermer là. Non, je suis mort. Non. Pourquoi je suis si mauvais? C'est grave, j'avais tout ce qu'il fallait. Et j'ai réussi à tout rater. Let's go, Yo-Yo est mort. Faut que je survive au moins une minute, comme ça je suis sûr d'avoir un point de plus. Il faut maintenant que Waz meure et puis ce sera une victoire. En fait c'est juste, en fait c'est le temps de passer en game qui compte. Donc même si Waz meure, il faut que je reste beaucoup plus en vie que lui. Ouais, il y a quelques personnes, je crois que si je peux prendre la tyrolienne maintenant on va pas m'entendre. Aïe aïe aïe, y'en a un là. C'est bon, je les ai esquivés, hop ici je grimpe.
Regardez, j'ai monté comme ça. Hop. Et là, ça va les brains. En fait, attendez, faut que j'aille trouver une arme parce que sinon, je vais mourir de la storm. J'ai moins d'HP que Z par contre, oh non. Mais allez sur Z, bordel. Je vais vous ramener dessus, hein. Moi, je vais pas courir comme ça pendant 10 ans. C'est trop stressant pour moi. Oh non. 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 Je suis mort. Nice, Oise est mort. Let's go. Maintenant, ça va être juste par rapport au temps que je vais tenir. Ah. Encore. Non mais c'est juste à cause de la storm. En vrai je suis deck parce qu'à cause de la storm du coup je meurs. Parfait, il est mort juste après. Bref, on passe à la game 2. Pour cette deuxième game, je change mes plans. Je vais atterrir dans une ville et je vais looter. Là je veux un maximum de stuff. Je vais aller à Tilted. On est parti pour la deuxième manche. Je sais pas où je vais aller. Je vais aller looter Conic Crossroads. Il faut que je survive au moins 2 minutes de plus que les autres juste pour rattraper mon retard. Donc ça risque de pas être simple. Là cette fois-ci les abonnés ils spawnent à l'arbre de réalité je crois. Ouais regardez, ils ont sauté. Zedfar et Waz qui se sont encore une fois fondus dans la foule. Moi regardez, je vais faire une nouvelle stratégie. Je vais spawn tout au fond, le plus loin possible des abonnés, et je vais loot tout le long jusqu'à aller en zone. Alors où est-ce qu'ils vont? Je vois que Waz il part au sud et il y a Yo-Yo qui va dans le désert. Ok, je crois que je suis le mieux parce qu'ils vont tous se spawn entre Cascade de Réalité et Grizzly Groove, donc j'ai le temps de me looter. Enfin, pas beaucoup non plus, mais j'ai le temps. Maintenant faut juste prier pour que j'ai du bon stuff. Nickel, des répus. Parfait, des boogies, ça pareil je peux utiliser. Bon maintenant je me barre en zone. Allez là, donne des coffres. Toi. Hop là, ça commence bien, répu directement. Ça, c'est ma game, celle-là, je vous le dis. Ok, tout un bâtiment, j'ai rien eu. Ça commence bien. Punaise, mais c'est la merde, j'ai rien. Parfait, boogie. Bon, bah, j'ai fait toute la ville et j'ai rien. Donc, bah, je vais aller autre part, je vais aller vers l'est. Oh, il y en a deux là-bas. Elles sont posées sur béquilles, elles n'attendent que moi. Viens là, ma belle. Il y en a encore deux autres de là où je venais. C'est nickel. Hop là, déjà si répulsive. Allez, là, je suis grave bien. Faille de poche en plus, oh là là. J'ai pas d'idée de cachette par ici, c'est horrible. Oh, des répus. Oh, mais il y a déjà des abos là. Il m'a pas vu. Je vais le démarrer, ce temps. Oh non. Ah, j'ai été vu. Ok, j'ai répu. Je les ai dégagés bien loin. J'ai déjà claqué deux répus pour rien, j'ai trop le seum. Y'a Waz qui vient sur moi, je crois qu'il a des abonnés sur lui. Si c'est ça par contre, c'est vraiment un chien, je le dis. C'est sûr qu'il m'amène des abonnés. Moi je vais me taille. Y'a Zed. Oh, des répus en dessous de lui, il a pas vu. J'espère qu'ils vont aller sur Zed. Oh, j'ai pris des dégâts de chute, je suis trop bête. Hop, et là je viens me cacher ici. Oh pas mal le brain, vous avez kiffé ou pas? Avec l'étoile d'araignée et tout. Oh là 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 là. Voilà, j'ai répu faille de poche, je peux difficilement être mieux. À la limite faudrait que je trouve des boogies, ça me mettrait bien. Encore des répus, je dis pas non en vrai. Ouais, ces Zedfar sont tous les deux dans Daily Bugle. Alors je sais pas s'ils sont avec des abonnés ou s'ils sont tout seuls. Mais je vais les laisser tranquilles et je vais partir loin d'eux. Y'a Waz. Ah mais y'a des abonnés avec lui, mais sérieux. Il m'a vraiment ramené les abonnés. Non mais j'en reviens pas. Ah il me tend. Je crois qu'ils le suivent. Allez, faut que j'arrive à partir. Vas-y, lui il m'a pas vu. Tranquille. Ah, laissez-moi tranquille. J'en entends en tyrolienne, il y a tellement de monde autour de moi. Oh, y'en a un qui est là. Viens pas ici. Oh, oh, c'est bon. Regardez, il monte. J'en ai vu des choses. Oh, parfait. Il m'a pas vu. Let's go. Ah, laissez-moi tranquille. Ah, c'était sûr. Je suis mort. Je vais mourir dès le début, j'en reviens pas. Moi, si je me fais discret, j'ai toutes mes chances. Donc, pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais gentiment aller me poser dans ce bush. Et je vais rester caché, parce que c'est le principe du jeu. Et une fois que la zone arrive, eh bien, je me tire. Je suis toujours en zone. Moi, je pense que je vais rester ici. Ça me semble être la solution. Il y a encore un abo. Oh non, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas. Voilà. Mais ils sont combien? J'entends tellement de pas. Allez, on danse tous. Ça va vous calmer, ça. Aïe. Allez, la zone elle va partir. Moi j'ai pas envie de me faire surprendre par des abonnés, donc je vais bien attendre de voir. Et ensuite je sors de là. Il y en a encore un là. Oh non. Non. Je suis grillé. J'ai perdu des HP en plus. Comment il a su? Faut que je me barre sur Z. Y'a du monde devant moi. Non les gars, je suis pas là. Je suis caché là. Non, je suis pas caché. Et ils veulent pas me lâcher, c'est abusé. Ok, c'est bon, il y a l'air d'y avoir personne derrière moi. Je peux commencer à y aller. What? Les gars, j'ai eu le bug de la toile d'araignée, j'ai le seum. Nickel, Zedfar est mort, maintenant faut juste que je survive un peu plus et je l'emporterai les gars, allez. Et y'a une faille de poche devant moi mais c'est trop. Je vous ai dit, c'est ma partie celle-là. Faut que j'avance, il faut absolument que j'arrive à rejoindre la mer. Oh non, il m'a vu. Quoi, il m'a pas vu? Oh là là, let's go. Yo-Yo, il est encore en bord de zone. Montre-nous ce qui se passe chez lui s'il te plaît le monteur. J'ai pas envie de claquer une répu, je crois que je vais être obligé. Bon allez, tant pis. J'en claque une. Oh non, en plus j'ai pris un dégât du coup. Donc ils ont un coup de pioche en moins à mettre. Il y a deux abonnés juste là. Ils m'ont tous les deux pas vu. C'est nickel, je peux rester là, ça veut dire pour le moment. Allez, je rentre maintenant. Souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires. Oh là là, je suis dégoûté. J'aurais trop kiffé continuer la game. Mais en fait, à la fois, je vous le dis, j'ai pas eu de chance parce que j'ai pas eu de répu avec trois villes complètes. Et le pire, c'est que je suis mort de chute alors que l'étoile d'araignée était pas censée mourir. Allez, c'est le moment que je redoute. La zone va partir maintenant, il faut que j'avance. Je vais essayer de rester le plus discret possible. Il y a un abonné là-bas. En fait, il faut que j'observe bien devant moi avant d'avancer. Parce que de toute façon, elle va
doit pas aller très vite normalement. Je vais bien attendre que la zone soit à mon cul pour avancer. Oh, des répus. Les étoiles s'alignent pour que je gagne. Regardez où je vais aller. Dans un premier temps, je vais me mettre ici. Oh oh, il y a beaucoup d'abonnés là. Oh non. Oh non, je l'ai répu avec moi, quelle honte. Je suis le pire utilisateur de répu du monde. Allez, là il faut que je fasse un truc intelligent, regardez. Bam, et là ils peuvent pas utiliser ma faille. Hop là, parfait. Oh, tous les abonnés qui se dirigent sur Oise, par contre, je veux bien rester dans les airs. Je suis en zone ou pas? Non, je crois que je suis pas en zone. Oh non, ils vont rentrer, ils vont me voir, j'ai de leur répu. Venez pas ici. Oh, ils passent devant. Oui, passez devant, venez pas. Let's go. Les gars, je suis trop bien caché. Attendez, mais y'a Yo-Yo au-dessus de moi sur la map. Hop, je suis dans l'arbre. Oh, il est dans l'arbre, il est trop bien. Allez, c'est pas grave, moi je vais courir. Je vais refaire ma technique de la répu et de la faille. Hop là. Oh non, il casse. Ça y est, le duel final contre Yo-Yo commence. Il me reste 3 répulsives, une boogie, j'ai aucune idée de son stuff. Ah, mais il est encore dans les airs, mais il a trop de stuff, je pense. Allez, je descends quand même, je suis bon joueur, je vais pas rester dans les airs 4 heures. Et je rigole, je suis pas un bon joueur. Oh non. Mais les gars, attrapez-le. Il faut les répus, je lui ai volé. Il m'a volé les répulsives. Mais c'est nickel, et il y en a d'autres ici. Les gars, il est en train de trop bien jouer, qu'est-ce qui lui arrive? Oh non, c'est la fin les gars, je sais pas comment je peux survivre. Allez, il faut qu'il meure, on est ex-aequo en termes d'HP en plus. Ok, il y a beaucoup trop d'abonnés autour de moi là, ça devient tendu. Il me reste qu'une répu, faut que je la garde le plus longtemps possible. Esquive, oui. Oh là là, les esquives de fou. Non, j'ai plus de shield, lui aussi il a moins d'HP. Je peux gagner les gars, j'y crois. Oh non, je suis tombé. Pas mourir comme ça. Non, Yo-Yo, pas après tant d'efforts. Ok, je remonte. Non, c'est fini, c'est fini. Non, il faut qu'il tue super vite maintenant. Il y en a un qui porte mon cadavre. Allez, Yo-Yo, meurs. Regardez-les, ils arrivent pas à me toucher. C'est un traquenard. Oh, Oise est mort. Faut que je survive encore 2 minutes, les gars. Retourne un peu dans l'eau. Oh non, ça y est, je suis mort, je suis cuit. Je suis finito. Non, c'est dommage. C'est bon, il est mort. Ça va se jouer à quelques secondes près. On retourne au lobby, on va regarder à tout ça. Je stresse. Zephar, dis-moi tes timers pour qu'on puisse savoir combien de points tu as. J'ai fait première game 17 minutes 06, deuxième game 10 minutes tout pile, vraiment 0-0, donc ça fait 27 minutes 06, soit 27 points. Ok, Yo-Yo, à ton tour. Ok, moi à la première game, j'ai fait 14 minutes 18, c'est ridicule. Mais à la deuxième game, je me suis chauffé, j'ai fait 17 minutes 37, ce qui fait un total de 31 minutes 55 secondes. Donc j'ai fait 31 points, je crois. Pas mal. Et bien moi les amis, première game j'ai survécu 16 minutes 45 et la deuxième j'ai réussi à tenir plus de 17 minutes avec un total de 17 minutes 22. Quand tu cumules les deux, ça te fait 34-07. J'ai donc 34 points, je l'emporte. Eh bien bien joué. GG mec. Ah les gars, je l'ai dit dans la vidéo que j'allais gagner, extrait maintenant. Cette fois c'est mort, c'est pas Zephar qui va gagner, ça va être moi. Les abonnés, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour qu'on fasse d'autres épisodes. Pensez également à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à dans quelques jours. Ciao. Ciao. Ciao.